Oh, ça m'embête un peu de te laisser comme ça, tu sais. Moi, je vais pas bien, ma vie, elle est moche en ce moment. Parce que l'autre, là-haut, bah si tu savais, hein, bah c'est comme si j'existais plus maintenant. Parce que quand je suis avec elle, eh ben, je peux même pas fumer. Ah, ouais. Je respire tellement mieux. Je respire tellement mieux depuis que je fume. Ah, c'est bon. Ah, Sandra, c'est bon de fumer. Ah, écoute ton père, Sandra. Jour, mon prince viendra. Un jour, il m'emmènera. Oui, je termine ma mise en beauté. Remarquez, il n'y a pas grand-chose à faire quand on sait s'entretenir. Il est vrai que je ne fais pas mon âge, donc tout est facile. Je suis invitée à un bal. Sandra, t'as mis chauffer l'eau pour les pâtes? Et puis tu nettoieras par terre, parce que la propreté, ça laisse à désirer, hein. Oh là là, mais il faut tout te dire, ma pauvre fille, parce que tu peux être négligée. Oui, alors qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai eu une invitation. Je vais aller à un grand bal. Je vais côtoyer des gens importants. Oh, un vrai bonheur. Sandra, t'as repassé ma robe? T'as fait attention parce qu'elle a de la valeur. Ah, oh, mais c'est pas possible. Mais quelle empotée! C'est comme son père. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais qu'est-ce que je fais avec un homme comme ça? Il est mou. Il est lourd. Enfin, à partir de ce soir, tout va changer. Je vais côtoyer des rois, des princes. Je vais être l'égale de ces personnes. Enfin! On va me considérer à ma juste valeur. Ah, oh, je suis trop heureuse. Ah, oh, mais c'est bon, arrêtez de me filmer, vous. Oui, ben moi je dis que Cendrier, débile. J'ai jamais vu une fille aussi débile. Elle pleurniche toute la journée. Ah, il est pas possible, il y en a marre. Allez, on trinque à cette idiote de Cendrier. Attends, je vibre. Oh, j'ai un appel. Allô? Oui? Oui? Ah bon? Ok, je vous la passe. Hé! Hey, Cendrier! Hé, hey, Cendrier! C'est quelqu'un pour toi? Hey, c'est quelqu'un que t'as pas eu au téléphone depuis très 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 longtemps, il paraît. Oui, allô? Oui? Oui? Oui. Oh, là là! Hé! Hé, Cendrier, tu sais quoi? Hey, tiens, viens, hé! C'est ta mère au téléphone! Tu la prends? Ah non, tu la prends pas? Sandra! Oh! Je cherche comment ça fonctionne là! Oh, sans l'oignon, t'es où? Je vais te trouver, tu vas voir! Je vais te trouver, t'as pas intérêt à te cacher! Hein. T'es où? Ah, je vais Cendrier, hein? Je vais te cracher mon corona à la bouche carrément! Oh, c'est bon là!
possible. Si je te trouve, tu vas voir. Je te crache mon corona à la figure. Vas-y. 6. 5. 4. 4 de pique. Oh, merde, raté. 4 de carreau. Rendez-vous compte. 874, hein, le mois prochain. J'ai réussi à passer au travers de tout, même la peste et le choléra. Et là, en mars 2020, je suis rattrapé par la coronavirus. Non mais je rêve. Et en plus, ils veulent tous que je me débarrasse de ça. Non mais ça va vraiment pas bien. Alors, je veux bien faire un effort en aidant la petite, la gamine. Et vous savez, elle a un caractère de cochon. Ça va vraiment pas être facile. Cendrillon, allez, on part au bal. Oh, mon fils, hey, j'ai organisé cette fête pour toi. Il faut que les gens ils te rencontrent enfin, hein. Allez, arrête de faire ta tête de con. Et alors, je suis ton père, je suis le roi, et un jour, tu vas être le roi aussi, d'accord? Et t'as intérêt à m'écouter, parce que sinon, je te casse la gueule. Oh, bonne mère, ta mère. Écoute ton père. Allez, c'est la fête, regarde, c'est la fête. Allez, mon fils, dépêche-toi, sinon tu ne m'écoutes pas. Je te fais trancher la gorge, même si t'es mon fils. La vendetta, c'est ça, la camorra, la mafia. Hé, allez, dépêche-toi, mon fils. Alors ça ressemble à ça, une femme. Oui, bonjour, oui. Pardon, excusez-moi, oui. Oui. Hop, voilà. Cendrillon? Oui. Oui, Cendrillon, oui. Je la connais, oui. Elle est merveilleuse. Elle est douce. Elle a un visage. Elle a une douceur sur sa peau. Ah, c'est simple. Ah, depuis j'ai croisé Cendrillon. Oh, notre Dieu, je revis depuis j'ai croisé son rayon. Oh, elle est douce, son rayon. Ah, elle est belle. Je sais pas, il y a une sorte d'alchimie entre elle et moi. Ah, si vous saviez, c'est difficile à expliquer, mais... Ah. Oui, son rayon. J'aurais besoin d'être un petit peu seul, si vous voyez. Ouais. Oui, je voudrais liquider les affaires courantes du royaume. Voilà, si vous pouvez me laisser, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci. Au revoir, voilà. Cendrillon. Oh, Cendrillon.
Parce que je fais les tâches ménagères que je suis gentille. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis confinée ici. Mais je crois que j'aime ça d'être confinée. Ça me fait du bien. Ça me fait un peu les pieds d'être confinée. Si ça se trouve, c'est à cause de moi que ma mère est morte. Oui, c'est peut-être à cause de moi qu'elle est morte. Vous trouvez que je suis gentille? Je vais vous dire ce que j'en pense, moi, du Cendrillon de Pomerat. Avec le père. Couille molle qui n'a jamais aussi bien respiré que depuis qu'il fume. La belle-mère, complètement secouée avec ses rêves de gloire. Ses deux filles, les sœurs Tortie et Nouille. La fée qui nous fait chier depuis 800 ans avec ses tours foireux. Le roi, qui aimerait bien liquider les affaires courantes. Le prince, qui aimerait bien liquider Cendrillon. Enfin, Cendrillon, beaucoup plus spiritueuse que spirituelle. Maintenant, mon petit gars, si le Cendrillon de Pomerat te plaît pas, tu vas chez Disney et tu fais pas chier. Je respire tellement mieux depuis que je fume. Ah, oh, c'est bon. Fais trancher la gorge, même si t'es mon fils. Enfin, on va me considérer à ma juste valeur. Ah, oh, je suis trop heureuse. Ah, oh, mais c'est bon, arrêtez de me filmer, vous. Elle est morte, ta mère. Miski, si je te trouve, tu vas voir partout. Je te crache une couronne à la figure. Vas-y. Cochon, ça va vraiment pas être ici. Cendrillon, allez, on part au bal. Oh.
ça se trouve. C'est à cause de moi que ma mère est morte. Oui. C'est peut-être à cause de moi qu'elle est morte. Vous trouvez que je suis gentille? Maintenant, mon petit gars, le cendrillon de Pomerade ne plaît pas, tu vas chez Disney, tu